c'est bon. Donc avant de débuter le repas, le chef vous propose de découvrir ces brioches parfumées à la fleur de sureau. Madame, monsieur, donc le chef vous propose de commencer le repas donc avec ces trois mises en bouche. La première face à vous, donc, qui est une mouclade à la charentaise. Donc les moules que vous allez retrouver à l'intérieur sont des moules qui proviennent de Charon, qui est un petit village là où le chef a grandi. Vous avez ensuite donc sur le plateau un baba parfumé donc au céleri. Et enfin pour terminer donc une tartelette garnie avec du lieu jaune. Et sur le dessus, pour l'accompagner, un crémeux au fenouil. Très bonne dégustation. Alors voici pour accompagner votre repas, un pain au blé traditionnel, ainsi qu'un beurre parfumé à la tanaisie. Savez-vous ce que c'est? C'est une plante aromatique, et en fait ça permet de rajouter un tout petit peu de piquant au beurre, et donc du coup de remonter un peu la note de sel qu'il y a dedans. Enfin, ce que j'en ai tiré personnellement. D'accord. Ça permet d'avoir un goût un peu plus salé, et un arôme à côté. Je vous en prie. Ça donc c'est la lauge. La lauge on l'a fait griller en fait parce que ça a une peau qui est très très fine et résultat on a vraiment quelque chose de très croustillant. On fait à l'unilatéral comme ça tout en douceur. Oui tout à fait. En fait il y a trois bandes d'arêtes. Il y en a une ici, une là et une autre ici. Qui après font la longueur des deux côtés du fil. Là, l'unilatéral, tout doucement, pendant 2-3 minutes, là. Vous allez avoir une cuisson qui va être juste rosée. La lauge grillée, on vient la recouvrir un petit peu d'huile d'olive. Oui, tout à fait. Donc, la cuvée pour Christophe. Hein. Ouais, bah ouais, il m'en avait offert une bouteille. Et... Là, on est sur de la fruitée verte pour garder des notes un petit peu d'acidité. On a travaillé avec, du coup, un... des artichauts, les premiers du jardin. Donc on est venu faire un jus barigoule avec les artichauts, un petit peu d'agrumes. Décidément, il fait tout là-bas. Tous les légumes qui peuvent exister à mon niveau. Et oui. Bah, maintenant, on a un joli jardin, on a un jardinier à temps plein. Donc, Surtout, c'est... le Bocuse du Val de Loire, c'est un des premiers Paul qui a fait un potager. Oui, bah, il s'en inspire beaucoup, hein. Ça a été un exemple pour lui. Et il retranscrit à la fois dans le management et également dans la cuisine, dans les valeurs qu'il a apprises là-bas. Il retranscrit ça avec beaucoup d'attachement. On apporte également de la coriandre. Hein, c'est ce qui nous sert en général pour le jus de barigoule, hein, pour cuire aussi les artichauts. Ça apporte un peu de fraîcheur. Le jus de barigoule, du coup, il a été réduit presque à glace et on l'a monté à l'huile d'olive. Pour relever quelques petites fleurs d'ail des ours. C'est de la sauvage là ou c'est... L'ail des ours, oui, c'est sauvage. On cueille ça du côté de Courcheverny. Ah, elles sont magnifiques. Donc voilà, on a cette alose de Loire qui est juste grillée à l'unilatéral. Comme je vous expliquais, pour garder cette peau très croustillante, vous avez pour accompagner un travail autour de l'artichaut, artichaut poivrade du jardin, un jus de barigoule, de l'orange et quelques feuilles de coriandre. Je vous souhaite une excellente dégustation.
Alors là, on va poursuivre avec la noix de jus de porc. La noix de jus de porc qu'on est venu cuire au cidre et qu'on a travaillé sous forme de chartreuse. Donc avec ces légumes, légumes primeurs du jardin, on est sur des carottes, des navets, mais également de la pomme pour apporter un peu de fraîcheur. Vous avez pour accompagner un peu de croustillant avec le petit épeautre soufflé, également des graines de moutarde de l'Orléanais, un confit d'échalote. Et pour terminer, cette vinaigrette chaude au cidre de Mézières-les-Cayrieux, juste à côté. Et je vous la laisse pour les plus gourmands. Je vous souhaite une excellente dégustation. Alors celui-là, j'étais obligé de vous le présenter parce que c'est un plat un peu particulier pour moi. C'est un souvenir d'enfance parce que ma grand-mère était sur l'île de Ré et avait pour l'habitude de faire les coquillages et les crustacés avec des aiguilles de pin. J'ai un souvenir en fait d'un crustacé aux aiguilles de pin qui était extraordinaire. Et du coup, j'ai voulu refaire le homard aux aiguilles de pin. Donc ça apporte ce côté fumé qui prend pas le dessus sur le crustacé, mais qui apporte vraiment une plus-value en fait au homard. Donc là, vous avez la pince qui a été accompagnée d'une moutarde avec les intérieurs de tête de homard et d'une betterave cuite au sel. Ensuite, je ne concevais pas de faire un homard sans avoir une bisque de homard, relevée légèrement au cognac, accompagnée d'une betterave en aigre douce, des œufs de homard également en aigre douce. Et je vous souhaite une excellente dégustation. A savoir que c'est également le plat avec le cendre en vapeur de sous-bois qui figure au Goemio et au Michel. Les deux. Bonne dégustation. Ça, c'est pour le cendre en vapeur de sous-bois. C'est vraiment une cuisson qu'on a réfléchi. Donc il est juste là, cuire tout doucement dans ces mousses, dans cette mousse d'arbre. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que toi? C'est le chêne. Oui, chêne. Chêne du domaine. Il y a un domaine juste à côté, là, la forêt de Limère, là, qui fait partie en fait des Blancs Boulots. C'est le nom de votre menu. Donc je suis second ici, à la seconde cuisine depuis l'ouverture, depuis le 19 juin. Voilà, moi j'ai un parcours j'ai fait l'histoire d'hôtelier en Bretagne, à Dinard. Après j'ai fait quelques tables étoilées avant de me retrouver ici. Votre prénom ? Gauthier Blandin. Je peux expliquer Gauthier. Alors juste ici on a cette lamproie donc à la royale, montée avec les légumes du jardin. On va la réchauffer dans le jus de cuisson. Mais au vin rouge. Vous avez ce champignon tourné également. Voilà, on va faire réchauffer tout ça tranquillement. On a 10 heures de cuisson sur la lampe pour avoir quelque chose de très grasseux. Vous voyez ce nacrage là sur le cendre, ils sont tout frais, hein, donc c'est vraiment magnifique. Les anglais. C'est un petit biscuit juste soufflé au champignon. Un peu comme la pomme soufflée. Un peu comme la pomme soufflée. Branche fine et tout à fait. C'est ça. C'est pareil, ça. C'est fait partie du patrimoine. Et on en trouve plus tellement, ça, des pommes soufflées. Apporter un peu de verdure, là on est vraiment sur des notes de boisé, hein. Boisé, très végétal. On va finir avec un petit fumet de poisson au vin de pissenlit.
pour vraiment rester sur côté naturalité. Ça c'est de fumer, comme je vous disais, au vin de pissenlit. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour madame, le cendre de Loire, donc cuit en vapeur de sous-bois. Ici une cuillère justement sur ce lit de mousse, ça va vous apporter une saveur très forestière. Vous avez un poisson qui est très frais, là vous voyez ce beau nacrage sur le dessus. Pour l'accompagner, les petits pois du jardin de Montlivaud, travaillés avec du sarrasin torréfié et une huile de thym citron pour vous apporter ses saveurs. Ici, je viens finir avec ce fumet de cendre aux arêtes torréfiées et au vin de pissenlit. Au vin de pissenlit, on retrouve un petit peu les mêmes saveurs qu'un vin jaune. Vous, monsieur la Lamproie de Loire, travaillez à la Royale. Tout autour, les légumes primeurs du jardin de Montlivaud toujours. Carottes, céleri, navets. Sur le dessus, un champignon tourné, biscuit soufflé. Et si je viens vous verser ce fumet de Lamproie au vin rouge de l'Orléanais. Ici, on va faire réduire ce vin rouge pour concentrer sa saveur fruitée. Ça va venir équilibrer la puissance de ce poisson. Excellente dégustation. Alors, on va poursuivre ici avec cette pintade perle noire de l'Orléanais. Donc, vous avez le suprême qui a été rôti sur le coffre. Un travail autour des asperges blanches de Marot au Pré par une productrice qui s'appelle Josette Legroux. Donc elles ont été travaillées de trois manières différentes. Vous avez les têtes qui ont été rôties sur des branches de sapin. Vous avez également après la partie plus basse qui a été laquée avec un jus d'asperge au coquelicot. Et également des petits morceaux d'asperges juste fermentés, en fait, en fermentation malolactique, donc on est sur de l'acidité, ça apporte un peu de fraîcheur. Ici, je vous apporte également la cuisse de la volaille qu'on a travaillée sous forme de ravioles un peu croustillantes, avec un velouté d'asperges blanches. Et pour finir, on parlait de tradition pendant tout le repas. Là, c'est un jus de volaille monté au foie gras. Et parfumé au madère. Et je vous souhaite une excellente dégustation. Bastien Miard, donc pâtissier table d'à côté depuis le mois de décembre. Alors ça fait que 2 ans que je suis sorti de l'école, mais avant j'ai fait un passage par Blois, à Assa, au restaurant Assa, Blois. Et c'est là que j'ai connu Christophe et Aurélien. J'ai passé également chez l'Oiseau. Durant un stage. J'étais en stage donc en hôtellerie, donc l'Oiseau à Saulieu. Ah oui, ils avaient encore les 3 étoiles à l'époque. Pas l'Oiseau des Vignes ou... Ouais, non, le roi des Bernards, l'Oiseau. Très belle maison. Allô. Oui. Madame. Merci.
Alors, voici donc la première partie sucrée. Vous avez retrouvé les premières rhubarbes donc du jardin de Montlivaud, qui ont été pochées dans un thé noir, accompagné d'un crémeux amande, croustillant amande, sorbet fromage blanc. Et pour terminer le tout, je vais vous verser donc ce thé, de thé noir, avec un jus de rhubarbe qui a été centrifugé pour apporter un petit peu d'acidité. C'est une excellente dégustation. J'essaie à chaque fois de trouver des renseignements. Bah oui. Je te mange parce que c'est bien beau d'avoir le package, mais... un petit peu de thé. C'est vrai que t'as des glaces. J'ai des glaces que je fais, que je peux servir aussi dans la poubelle. Oui, c'est ça, et l'autre où il y a l'autre. J'ai des glaces au lait par exemple. Non, je les remets au moins d'un jour Oui, bien sûr. À moins 18 pour que je retrouve de la fin de la soirée. Des oiseaux. Tiens. Tiens. Qu'est-ce que ça a comme goût ? Bon, c'est très très acidulé, enfin une petite pointe acidulée. Et vous savez pourquoi on appelle ça comme ça ? On appelle ça comme ça parce que les oiseaux ils adorent tellement ça en fait qu'ils en mangent avant de mourir. Si on veut faire ça. Ça se trouve où ça ? Partout. C'est sauvage. Si, c'est sauvage. Oui. La condition de savoir ce que c'est. Exactement. Tu arrives à faire des canettes au pacoche ? Alors, pareil, il faut pas cosser la veille et le lendemain on vient gratter. Oui, d'accord, voilà. Et voilà. Du coup, vous abandonnez de chaque fois, monsieur ? Je suis habitué. Comme ça, vous avez les coulisses en même temps. Et voici pour terminer, vous avez retrouvé les premières fraises de Sologne. Donc pour ce dessert, on a vraiment voulu partir dans l'esprit de l'enfance. Donc on a chacun des souvenirs différents de la fraise. Pour certains, ça va être la fraise au sucre. Donc, vous avez retrouvé donc les fraises avec sur le dessus une opaline au poivre de Sichuan. Pour d'autres, ça va être la fraise chantilly. Donc fraise avec une crème fermière également au poivre de Sichuan. Et moi, j'ai un souvenir d'enfance, donc c'est la fraise qui est marinée. Donc avec un petit peu de vinaigre et de vin au début de repas. Donc vous avez retrouvé donc cette fraise qui est marinée au poivre de Sichuan également sur le dessous. Donc avec un sablé à la vanille pour appeler la tartelette fraise. Et au centre, ce granité, donc au vinaigre de Xérès, sur lequel je vais venir verser ce jus de marinade de fraise qui va venir assaisonner le tout comme une vinaigrette. Et que je vous laisse si vous souhaitez en rajouter. C'est une bonne fin de repas. Alors voici pour terminer une dernière petite attention. Vous avez retrouvé donc un croustillant noix de coco avec un crémeux mangue et fruits de la passion. Un roulé citron et noisette, légèrement salé, avec la fleur de sel. Et un sablé breton, donc la farine de sarrasin et caramel beurre salé. Pour rappeler un petit peu, bon, je suis pas breton, mais juste à côté, la Mayenne. Donc on est chacun ses défauts. Voilà. Bonne fin de repas à vous. Jus de pintade. Il est lancé depuis hier. C'est la remouille là, non? C'est la remouille. Et ça? Et ça, on est en train de finir le jus de d'oignon. Et après, on va le dégraisser et puis finir l'assaisonnement. Là, il est bien réduit là. Oui, là déjà, il commence à être. Il y a 8 mois. C'est le plus